candidature n'est pas une surprise parce que elle provient de M. Jean-Marie Le Pen qui se présente à Marseille, qui l'a confirmé, et il était normal que le maire de Marseille, socialiste, premier magistrat de cette ville, fasse front parce que M. Le Pen, du point de vue idéologique, est quelqu'un que je combats. C'est dangereux et il ne faut jamais attendre trop tard. Deuxièmement, il n'a pas d'ambition pour cette ville et je crois que les Marseillais et les Marseillaises doivent bien le comprendre. C'est pour ça que je me présenterai là où il se présentera. S'il ne se présente pas, je ne me présenterai pas d'ailleurs. Et s'il ne se présentait pas à la mairie de Marseille, vous ne vous présenteriez pas à la mairie de Marseille l'année prochaine? Oh, ne faites pas un tel rapprochement. Cela dit, vous avez dit, Robert Vigouroux, maire et socialiste, est-ce que vous avez l'aval du Parti Socialiste et la Fédération des Bouches-du-Rhône? En personne n'a encore l'aval du Parti Socialiste, puisque les candidatures n'ont pas encore été discutées, aucune décision n'est prise. Donc je suis au même stade que tous les candidats. Vous ne pensez pas qu'il y aura des problèmes? Pourquoi? Je pars pour un combat, et avec toute la gauche, bien sûr, avec tous ceux qui se sont rassemblés derrière François Mitterrand, le président, et au-delà, beaucoup d'autres Marseillais, Marseillaises, je pense, qui m'aideront pour notre ville. Je leur écoutais. N'est pas une surprise, parce que elle provient de M. Jean-Marie Le Pen, qui se présente à Marseille, qui l'a confirmé, et il était normal que le maire de Marseille, socialiste, premier magistrat de cette ville, fasse front parce que M. Le Pen, du point de vue idéologique, est quelqu'un que je combats. C'est dangereux et il ne faut jamais attendre trop tard. Deuxièmement, il n'a pas d'ambition pour cette ville et je crois que les Marseillais et les Marseillaises doivent bien le comprendre. C'est pour cela que je me présenterai là où il se présentera. S'il ne se présente pas, je ne me présenterai pas d'ailleurs. Et s'il ne se présentait pas à la mairie de Marseille, vous ne vous présenteriez pas à la mairie de Marseille l'année prochaine? Oh, ne faites pas un tel rapprochement. Cela dit, vous avez dit, Robert Vigouroux, maire et socialiste. Est-ce que vous avez l'aval du Parti Socialiste et la Fédération des Bouches-du-Rhône? Oh, personne n'a encore l'aval du Parti Socialiste, puisque les candidatures n'ont pas encore été discutées, aucune décision n'est prise. Donc je suis au même stade que tous les candidats. Vous ne pensez pas qu'il y aura des problèmes? Pourquoi? Je pars pour un combat et avec toute la gauche, bien sûr, avec tous ceux qui se sont rassemblés derrière François Mitterrand, le président, et au-delà, beaucoup d'autres Marseillais, Marseillaises, je pense, qui m'aideront pour notre ville. Cette candidature n'est pas une surprise parce que elle provient de M. Jean-Marie Le Pen qui se présente à Marseille, qui l'a confirmé. Et il était normal que le maire de Marseille, socialiste, premier magistrat de cette ville, fasse front parce que M. Le Pen, du point de vue idéologique, est quelqu'un que je combats. C'est dangereux et il ne faut jamais attendre trop tard. Deuxièmement, il n'a pas d'ambition pour cette ville et je crois que les Marseillais et les Marseillaises doivent bien le comprendre. C'est pour cela que je me présenterai là où il se présentera. S'il ne se présente pas, je ne me présenterai pas d'ailleurs. Et s'il ne se présentait pas à la mairie de Marseille, vous ne vous présenteriez pas à la mairie de Marseille l'année prochaine? Oh, ne faites pas un tel rapprochement. Cela dit, vous avez dit, Robert Vigouroux, maire et socialiste. Est-ce que vous avez l'aval du Parti Socialiste et la Fédération des Bouches-du-Rhône? Oh, personne n'a encore l'aval du Parti Socialiste, puisque les candidatures n'ont pas encore été discutées, aucune décision n'est prise. Donc je suis au même stade que tous les candidats. Vous ne pensez pas qu'il y aura des problèmes? Pourquoi? Je pars pour un combat, et avec toute la gauche, bien sûr, avec tous ceux qui se sont rassemblés derrière François Mitterrand, le président, et au-delà, beaucoup d'autres Marseillais, Marseillaises, je pense, qui m'aideront pour notre ville.